Frère Maxime, bonjour. Bienvenue sur la chaîne YouTube ça. Côté que nous allons partager avec vous nos petits mots sur la Bible, la langue maman nous. Il est important pour nous faire ça. Chaque jour, bon Dieu mettez. Abonnez à la chaîne là, cliquez sur la petite cloche là pour ne pas perdre rien. Merci et partagez la vidéo. Si nous sur la Bible pour journée aujourd'hui, nous avons joigné dans Genèse chapitre 11. Dans le commencement, tout le monde sur la terre a parlé une seule langue, l'une de comprendre l'autre. Après, ils sont partis, ils sont sortis côté soleil levé, ils sont arrivés dans une plaine dans le pays Chénéa, ils sont montés là, ils sont arrêtés. Les ça, ils dit l'autre, mes amis, venez non, on fait brique, on prête, ils ont dit fait. C'est comme ça, ils prennent brique, servi roche pour bâtir caille, ils prennent asphalte, servi moitié. Après ça, ils dit on bâtit une grosse ville pour nous arrêter avec une grosse caille tout rond, bien haut qui arrive jusque dans le ciel là. Comme ça, tout le monde va respecter nous, il ne va pas gagner nous tout partout sur la terre. Le Seigneur descend pour la ville là, ensemble avec une grosse caille rond qui a bâti. Et puis il dit, Kouli a gardé, ils ont tout fait un seul peuple, ils ont parlé une seule langue. Regardez ça, ils ont commencé à faire. Tant les conseils ont paré pour faire ça, ils voulaient. Bon, nous descendons, nous mettons les langues, comme ça, nous ne pouvons pas comprendre ce que l'autre a dit. C'est comme ça, c'est un gagné tout partout sur la terre. Nous suspendons bâtir la ville là. C'est peut-être ça, il y aurait la ville là, Babel, parce que c'est là, c'est un qui met les langues, tout le monde qui était sur la terre. Il fait partie, il gagne tout partout sur la terre. Mais petite Semio, 2 ans après l'inondation, Sem te gagne 100 ans. Là, il fait un petit garçon, il aurait Apacha. Après ça, il vit 500 ans encore. Il te fait l'autre petit garçon avec petite fille. Apacha te gagne 35 ans, il fait un petit garçon relé Sheila. Après ça, il vit 403 ans encore. Il te fait l'autre petit garçon avec petite fille. Sheila te gagne 30 ans, il fait un petit garçon relé Bert. Après ça, il vit 403 ans, il fait l'autre petit garçon avec petite fille. Et Bert te gagne 34 ans, il fait un petit garçon relé Peleg. Après ça, il vit 430 ans. Il te fait l'autre petit garçon avec petite fille. Peleg te gagne 30 ans, il fait un petit garçon relé Réou. Après ça, il vit 209 ans encore. Il te fait l'autre petit garçon avec petite fille. Réou te gagne 32 ans, il fait un petit garçon relé Seoug. Après ça, il vit 207 ans encore. Il fait l'autre petit garçon avec petite fille. Seoug te gagne 30 ans, il fait un petit garçon relé Nako. Après ça, il vit 200 ans encore. Il te fait l'autre petit garçon avec petite fille. Nako te gagne 29 ans, il fait un petit garçon relé Terak. Après ça, il vit 119 ans encore. Il te fait l'autre petit garçon avec petite fille. Terak te gagne 70 ans, il fait 3 petits garçons relé Abram, Nako et Aran. Mais petit Terak yo, Terak te papa Abram, Nako et Aram, Aram te papa l'autre. Aram mourit avant papa, il mourit la ville ou dans le pays Caldé côté le fête là. Abraham et Nako te fait position. Abraham marié avec Sarayi. Nako marié avec Milka, petite fille Aram. Aram te gen l'autre petite encore, yo te relé jusqu'à. Sarayi, pas de gen petite, li pas de café petite. Terak prend petite li, Abraham petite li, l'autre qui te petite Aram, ensemble avec belle fille Sarayi, qui te madame Abraham petite li. Il partit à Kyo, il quitte la ville ou dans le pays Caldé pour y aller dans le pays Canaan. Mais les arrivés à la ville Canaan, ils ont été là. C'est là que Terak mourit, il était gagné 205 ans.